cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savat. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savat in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who train in the noble art of French foot fighting Savat understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savat's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savat as told by its professors. We just arrived to Mer de Clichy. We're going to go look for Club Clichy, the legendary club of Professor Sud Massage, and it was constructed by Patrick Gouguet, Professor Patrick Gouguet, back in the 1970s. It's a legendary club of modern Beaux Français Savat. So right now we're going to go. Je m'appelle Sud Massage. Je pratique la boxe française depuis l'âge de 18 ans. J'en ai 61 maintenant. Et je suis encore en activité. J'ai pratiqué la boxe française avec mon premier entraîneur qui s'appelait Patrick Hoguet. On a commencé à travailler ensemble une bonne partie de ma carrière. Et après, j'ai commencé à travailler en solo à partir de 84. J'ai géré un club de boxe française en tant qu'entraîneur et compétiteur. Et la tradition de boxe française à Clichy, ben depuis 70 à 2013, ça est passé déjà. On a formé beaucoup de champions de France, d'Europe et du monde. On est un des clubs qui a marqué la boxe française en France et au niveau international. C'est très difficile de donner un nombre exact, mais facilement plus de 200 titres nationaux au club de Clichy. Titres européens, on peut mettre une trentaine de titres européens, une vingtaine de titres de champion du monde à Clichy. Donc c'est vrai que ça fait quand même un sacré travail. Quoi. On peut dire qu'elle a été développée au niveau international, c'est surtout ça qui est intéressant. C'est vrai que la boxe française, en moment où la fédération s'était coupée en deux, il y avait une partie qui s'est séparée de nous dans les années 70. Ils ont pratiqué de la savate et ça a permis de développer la boxe française à un niveau un petit peu plus haut. Car il y a eu des coupiers qui ont été différents, le chasse et le contact qui n'existait pas. On avait tous des coups donnés de profil. Voilà, donc on peut dire que grâce à Savat, ça a développé un process au niveau international au plus haut niveau. C'est vrai que si. Ouais, c'est vrai que si fallait choisir un combattant qui a marqué la boxe française de ma génération à moi et celle d'après moi, je dirais bien que c'est Richard Silla. Très grand champion qui a marqué quand même une histoire dans la boxe française, et après il y a eu de très grands champions comme Marina, Pascal Mazoué. On peut dire que c'est des boxeurs qui ont marqué une empreinte dans la boxe française. J'ai réfléchi ça parce que tu m'as posé des bons professeurs, il y en a partout, mais des professeurs qui m'ont marqué dans la boxe française, non, je crois que. Je dirais vite fait Bob Alix,
Bob Alix, qui était de la région de Lyon. Je pense que Génodo, c'était des bons entraîneurs. C'était l'entraîneur de Robert Pacturet. Donc il a promu aussi des grands champions. Bob Alix aussi. Après, non, il n'y a pas beaucoup de grands entraîneurs qui ont marqué de la boxe française. Non, c'est un très bon sport qui est très complet. Mais je crois qu'avec le temps, ils n'ont pas su évoluer. Ils n'ont pas su évoluer parce qu'ils sont restés. C'est un petit peu, c'est restreint leur compétition. Ils n'ont jamais voulu trop élargir la compétition au niveau international. Ils se sont comptés de quelques pays. Et quand il a fallu rajouter des pays, on a senti que ça, ils ont embêté plutôt qu'autre chose. Parce qu'à la base, les fonctionnaires de la boxe française, c'est des fonctionnaires. Donc, si on leur donne trop de travail, ils ont du mal à développer ce sport qui est un sport qui demande qu'à se développer. C'est là où on trouve les grands champions. Moi, la boxe française, ça m'a apporté beaucoup. Hein, parce que maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'âge de 18 ans à 61 ans, si je suis encore là, c'est que ça m'a apporté énormément de choses. Et jusqu'à aujourd'hui, je me fais encore plaisir. Parce que là, jusqu'à aujourd'hui, on arrive encore au club de Clichy à sortir quelques champions. Pas énormément, mais là, l'année dernière, on avait un champion de France espoir en boxe française. Donc ça veut dire qu'en 2012, on avait encore un champion de France. Et en sachant que le premier titre, on l'a eu en 70. Ça va, on est encore là.